drive. Et yo les amis, la bonne nouvelle de ce début de semaine, la nouvelle promo App Gallery disponible. Hop, Rush Royale, un rubis égale 1 euro d'achat. Et voilà, arrivé un certain nombre de rubis, vous pouvez récupérer des coupons. À partir de 10 euros d'achat, vous pouvez récupérer un coupon de 1 euro. À partir de 30 euros d'achat, vous pouvez récupérer 5 euros en coupons. À partir de 50, 10 euros. Et à partir de 100 euros, vous pouvez récupérer des coupons de 25 euros. Cette campagne tombe à pic, cette campagne est vraiment chouette. Elle vient rattraper la petite campagne précédente qui avait un petit peu floppé par rapport au coupon précédent. Voilà, App Gallery s'est vraiment bien rattrapé avec une offre plutôt alléchante. Donc profitez-en les amis. Et bonjour à tous les amis, bonjour YouTube. Comme d'habitude, de retour en vidéo, on ne lâche rien, on continue avec le deck de la semaine. Je veux tester, hein. Je veux tester vraiment un deck plus ou moins accessible. Là, on va avoir qu'une seule légendaire à Arlequin. Contrairement au deck proposé lundi, on a retiré le vampire, on a ajouté le faucheur avec le deuxième talent qui va nous permettre d'avoir un générateur de mana. Et on va voir si ce deck est capable de rivaliser avec de l'inquisiteur, toutes ces cartes qu'on voit beaucoup beaucoup dans la méta. On va aller voir ça ensemble, je vous montre rapidement un petit peu le niveau des cartes. Donc c'est pas non plus foufou. Et on va voir de quoi ce deck est capable. C'est parti. Ce serait bien de tomber sur un deck méta, voir un petit peu à quoi ça ressemble. On s'est fait broyer un lundi dans la vidéo du deck de la semaine. Ok, un qui statue trappeur. Et ben on va voir ça. On a un tribunal, on va peut-être pas trop invoquer au début. On va se faire double faucheur pour essayer de grind un maximum la mana. Ça rapporte un petit peu moins que le vampire. Mais ça va être moins pénalisant, arrivé mid-game, où on se rendait compte que le vampire n'avait plus d'impact. Le faucheur, lui, ça va être tout l'inverse. Il va permettre de clean les vagues assez facilement, les vagues de petits mobs. On va avoir les mages de cristal qui vont être présents pour justement les gros boss. Ce sont vos suggestions là qui sont testées. J'ai lu un petit peu les commentaires de la vidéo de lundi. Et justement, ça disait rajouter faucheur. Et c'est vrai que rajouter faucheur, c'est un bon move. Hein. Cette carte, faut en profiter. C'est une très bonne carte qui est même jouée actuellement à haut niveau. C'est-à-dire qu'on rencontre beaucoup de decks corsaires avec le faucheur qui peut faire vraiment, vraiment le taf. On va invoquer un petit peu. On n'a pas le choix. Faut pas qu'on subisse trop. Faut qu'on arrive quand même à prendre de la mana en nettoyant notre vague. Bon, lui, un seul inquisiteur, c'est pas un problème. Bon, le tribunal qui va arriver juste après. On peut commencer à merge. Ok, on se retrouve à 4 cartes. Deux faucheurs, c'est pas trop mal. On n'a pas beaucoup de mages de cristal. Je pensais qu'il était un petit peu dans la sauce, mais il a réussi à se remettre. Bon, par contre, sans papy, il a l'air de galérer pour son placement.
on récupère un gel, ça c'est bien. Oh, le mage de cristal sur la case, ça c'est vraiment bien. On a nos deux harlequins. Je sais pas trop ce qu'on va copier encore. Peut copier ici. Il nous faudrait quand même des faucheurs d'un tiers un petit peu plus haut de manière à gratter la mana. Là, on gratte pas tant que ça. Peut-être jouer avec une dryade, je sais pas trop. Le dompteur qui pop. Faut qu'on s'entraîne à jouer gel de toute façon avec la. Je sais pas si vous avez vu un petit peu les leaks qui sont passés, mais a priori la prochaine légendaire à obtenir des talents sera sûrement le gel. On m'a partagé l'info hier sur le Discord des TTF. Des images sont sorties. C'était prévisible, hein. C'est une carte qui est, je vais pas dire qui est morte, mais qu'on voit jamais. Et du coup, bah forcément, hein, ils veulent redonner un petit peu de visibilité à la carte avec, avec des talents. On verra ce que ça donne. En tout cas, le skin est incroyable, hein, vraiment. Faudra voir à quoi ça ressemble, mais le skin est incroyable. On subit, on subit. Le gel T1, ça ralentit pas assez. Alors, de toute façon, avec un trappeur en face, ça va être très compliqué. Ok. Ah, voilà un gros gel, ça c'est bien. Aïe aïe aïe, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. On va maxer le gel. On a un Marionettis qui arrive derrière, attention quand même. Je pense qu'on va prendre. On va prendre un nerf, mais bon. On est obligé là, on est obligé de tout maxer. Sinon, c'est la sauce. C'est déjà la sauce d'ailleurs. Ça fait mal, hein. Ça va faire mal niveau mana. On a vite remaxé notre mage de cristal. Ah, ça avance dur chez nous, c'est fini. Hein. Malheureusement, c'est déjà fini, putain.
Ah, quel dommage! Quel dommage! Ouais, 14 aussi. Pff, quel enfer, vraiment. Quel enfer. Qu'est-ce qui nous manque encore dans ce deck? Qu'est-ce qui nous manque? On va tryhard, on va tryhard, essayer de trouver des solutions. Ce serait bien de trouver un petit deck. Un deck un petit peu qui sorte de la méta actuelle avec pas trop de légendaires de manière à pouvoir le rendre accessible à tous. On va continuer à travailler. On va continuer à travailler. Peut-être ajouter une dryade ici, mais à la place de quoi? Peut-être l'élémentaire de gel. J'ai pas l'impression que son impact soit vraiment vraiment important. On va tester, on va voir ça. On va continuer les tests de toute façon de manière à essayer de trouver quelque chose qui tienne la route. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, en commentaire, réagissez. S'il y a des misplays, des choses que je fais mal, que vous pensez que je fais mal, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous trouvez, quelle méthode vous auriez-vous adopté pour ce deck. Je suis preneur de conseils, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir et à commenter en masse. Et j'en profite pour vous rappeler que ce soir, live à partir de 21h sur Twitch, lien disponible dans la description, comme d'habitude. Bonne journée à tous et rushers, ciao!